Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et à surtout cliquer sur la petite cloche, digue digue dong, normal pour avoir les notifications. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir riche en partant de zéro? Oui mon ami, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. En fait, je vais surtout voir avec vous le cercle vertueux, la base de comment devenir riche. Parce que c'est vrai que avant même de passer aux étapes suivantes, il faut déjà avoir la base. Et tu verras que la base, c'est pas forcément logique. Enfin, c'est logique, mais en même temps, ça ne l'est pas. Mais je préfère quand même faire un rappel sur la chaîne et tu verras que si jamais tu le sais déjà, ben, ça te fera un bon rappel. Et je peux t'assurer que si tu le sais déjà, est-ce que tu l'as déjà mis en application? Parce que si jamais tu l'as mis en application, tu es obligé d'être devenu riche. C'est mathématique, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir. Bref, donc passons directement ensemble. J'ai noté, il y a à peu près quatre grosses étapes, tout simplement pour pouvoir devenir riche en partant de rien. Donc, première étape, c'est d'éliminer tes dettes. Ça, c'est la base. Avant même de dire, ouais, il faut que j'ai des business, j'ai un truc, etc. Déjà, il faut que tu élimines tes dettes. Okay? Tu peux pas commencer à vouloir investir alors que tu es endetté. Tu vois ce que je veux dire, et essayer d'avoir des rentabilités de 10, 12, 13% alors que tu es endetté à 14, 20% sur un crédit à la consommation. Okay, donc première étape, il faut que tu élimines tes dettes. Ça, il n'y a pas le choix. Alors je sais que sûrement peut-être il y en a qui sont dans un certain niveau de dette où tu te dis mais comment je vais faire pour éliminer autant de dettes? Fais un deuxième boulot. Bah ouais, ça va pas être facile. Hein. Devenir riche, c'est pas facile. Hein. C'est simple, mais c'est pas facile. Il va falloir trouver un deuxième boulot ou créer un business. Créer un petit business, ok? Un petit business. Créer un business, tu vois, en ligne. Par exemple, tu vois, il y a une formation offerte qui est dans la description. Vas-y, commence à te renseigner, voir comment tu peux générer du cash. Moi, mon business en ligne, avec le saxophone, ça me rapportait 2000 euros par mois. Donc imagine, tu prends ces 2000 euros par mois, d'accord? Bon, il y a des petits frais qu'il faut que tu enlèves à ces 2000 euros par mois. Imagine, t'en reste 1500. Les 1500, tu peux les utiliser tous les mois pour pouvoir, par exemple, rembourser tes crédits. Tu vois? Donc déjà, ça, c'est une solution. Ou sinon, si jamais tu n'es pas chaud pour créer ton business en ligne, à ce moment-là, trouve un deuxième travail, trouve un troisième travail, débrouille-toi, mais en tout cas, élimine tes dettes. Déjà, le simple fait d'être à zéro, d'accord? La plupart des gens, en fait, sont endettés. Tu vois, je sais plus c'est combien le pourcentage, donc je vais pas dire de bêtises, mais il y a plus de la moitié des gens qui sont surendettés. D'accord? Donc le simple fait de pouvoir être à zéro, de pouvoir vivre déjà sans dette, déjà tu es déjà plus riche que la plupart des gens. Ok? Mais c'est seulement la première étape. Ok? Donc première étape les gars, débrouillez-vous pour pouvoir éliminer vos dettes. Ok? Je suis passé par là aussi. Ça a pris du temps, j'ai galéré, j'ai fait des sacrifices, mais après une fois que vous avez plus de dettes les gars, vous êtes libre. Okay. Deuxième étape, c'est l'étape de générer des revenus. Alors tu vas me dire, ouais, pour le son, c'est logique. Moi j'ai déjà un travail, je génère déjà des revenus. Ouais, la deuxième étape, c'est ça, ouais, exactement. C'est générer des revenus. Après, si jamais tu peux en générer plus tu vas générer des revenus, en fait, plus ça va donner un effet de levier qui va te permettre de passer aux étapes suivantes. Okay? Donc deuxième étape, générer des revenus. Okay? Une fois que tu as généré ces revenus-là, troisième étape, épargner, ok? Donc épargner pourquoi? Pour acheter une voiture, pour aller en vacances? Non. Ah. Épargner pour pouvoir après investir. Et ça, ce sera la dernière étape, ok? Donc épargner, quelle stratégie tu utilises pour pouvoir épargner? Dans un premier temps, mets 10% de côté sur tous tes revenus. Tu vois, 10%, 20%, et après tu vas augmenter au fur et à mesure, tu vois? Mais tous tes revenus, si jamais tu touches même 100 euros, tu vois, habitue-toi à commencer à mettre 10% de côté. Tu vois, que le mois d'après, tu ne sois pas à moins découvert, mais qu'il reste au moins les 10 euros que tu as mis de côté. Tu vois, et ainsi de suite. Et plus ça va aller, plus tu vas augmenter ton pourcentage. L'idée même, c'est d'arriver à que tu puisses vivre avec 40, en mettant 40% de côté. Okay? Donc après, ça va aller super vite. Si jamais tu mets 200 euros de côté, tu vois, juste 200 euros de côté, je sais pas, au bout de 5 ans, ça te fait 12 000 euros. Alors tu vas te dire, ouais, mais 5 ans, c'est énorme et tout, ça prend beaucoup de temps. Non, mais déjà 5 ans, et déjà ça va arriver super vite. Et combien de personnes dans 5 ans auront 12 000 euros sur leur compte? Okay? Et ça, c'est en mettant 200 euros de côté. Si jamais tu fais un deuxième travail pendant, je sais pas moi, 5 ans, tu peux mettre toute la. Je sais pas, si tu arrives à générer, je sais pas, en faisant un petit mi-temps, tu arrives à générer 600 euros. Je te dis un truc au hasard parce que je ne connais pas trop quand tu travailles à côté. À 600 euros, ça te fait 600 euros que tu peux mettre de côté et pendant 5 ans. Donc imagine, j'ai pas fait le calcul parce que voilà, mais 600 euros, tu calcules, ça va te faire un bon pactole. Tu vois, ça fera sûrement le trip. Ça fera le trip de. Tu seras sûrement à 12, 24, une trentaine de 1000 euros. Okay? Donc, imagine avec 30 000 euros tout ce que tu peux faire.
Donc ça, c'est l'étape justement que tu vas faire après. Donc après, l'idée, c'est quoi? C'est pas devenir riche tout de suite. Enfin, l'idée, c'est de devenir riche tout de suite. Mais le meilleur levier, c'est de créer un business, d'accord? Mais déjà, si jamais tu as 30 000, 34 000 euros, si tu n'es pas trop chaud pour créer ton business, tu as 34 000 euros, un truc comme ça, une trentaine de 000 euros, tu peux investir dans beaucoup de choses et devenir riche, tu vois. Donc, tôt ou tard, tu deviendras riche quoi qu'il arrive, si jamais tu restes persistant. Donc, tu vois, c'est pas compliqué, c'est simple. C'est juste qu'après, c'est pas facile parce qu'il faut persévérer, il faut se retenir de pas dépenser l'argent pour aller dans des voyages, pour acheter des grosses voitures, etc. Parce que pendant ces 5 ans-là, tu as l'impression de ne pas vivre, tu vois. Parce que tout le monde fait tout n'importe quoi avec son argent, donc tu as l'impression que c'est la normalité. Et toi, tu as envie de faire la même chose, sauf que pendant 5 ans, tu as l'impression d'être un petit peu frustré, un peu, tu es vraiment sur une période de sacrifice. Mais c'est un bon sacrifice. Donc après, comme je t'ai dit, pour pouvoir épargner, tu peux faire un deuxième boulot, mais tu peux aussi créer ton entreprise. Moi, c'est ce que je fais. Pour moi, le meilleur levier, c'est de créer un business en ligne pour pouvoir générer du cash. D'accord? Parce que prendre un deuxième boulot, c'est bien, tu vois, c'est au minimum sur ce que tu dois faire, mais si jamais tu crées un business en ligne, bah, ça se trouve, avec ton business en ligne, tu vas le développer, tu vas commencer à générer 2000, 3000, 4000, 5000 euros, maintenant avec les stratégies en plus que je partage, si tu as une expertise, tu peux aller super vite, passer à 10 000 euros par mois. Donc, moi, je te conseillerais de partir plus sur le développement d'un business en ligne. D'accord? Pour pouvoir commencer à générer du cash et ça te permettra, dans un premier temps, le premier cash qui rentre de mettre de côté pour pouvoir après quitter ton job et vivre que de ton business en ligne et en même temps tu auras remboursé tes dettes et tu auras mis de l'argent de côté que tu pourras réinvestir. D'accord? Et après, la quatrième étape, c'est d'investir. Voilà, je commençais à en parler dans les étapes précédentes. De commencer à investir, donc ça peut être dans l'immobilier, ça peut être pour le développement de ton entreprise encore, ça peut être dans la bourse, d'accord? Et avec. Ou ça peut être l'achat d'actifs, d'acheter une franchise, si jamais c'est ton délire, par exemple, d'acheter une franchise. Tout ce qui te rapporte de l'argent après, en fait, finalement. Tu pourras utiliser l'effet de levier grâce à l'argent de la banque, parce qu'une fois que tu as du cash comme ça, tu as 30 000 euros, par exemple, sur ton compte, quand tu vas aller à la banque pour leur demander de l'argent, ils vont te prêter direct. Parce qu'ils vont dire, ce gars-là, il est sérieux, et il n'y a pas grand monde qui a déjà 30 000 euros sur son compte et qui est prêt et qui veut faire des projets. Donc, ils vont forcément te suivre, ils vont forcément te faire confiance. Donc, une fois que tu as acheté des actifs, tes actifs vont te rapporter des revenus. Voilà, tu vois. Et après, là, tu retournes au premier point. C'est-à-dire que tu retournes au début où on était à avoir des revenus. Donc, et ainsi de suite. Avec ces revenus-là, tu épargnes. Après, tu investis. Et ainsi de suite. Et ça s'arrête jamais et ça grossit, tes revenus grossissent, 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 grossissent. Tu as tes revenus, 40% tu mets de côté, boum, après tu les réinvestis et ainsi de suite. Et ça grossit, ça grossit, ça grossit et c'est un cercle vertueux qui s'arrête jamais. Tout simplement. Tout ça parce qu'au début, c'était difficile. Donc évidemment, au début, ça va être difficile, tu vois. Si tu vas galérer, tout ça, tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut que tu rembourses tes dettes en plus avant. Mais une fois que tu as créé ton premier revenu, tout ce que tu as à faire, c'est d'épargner. C'est tout. Épargner. Après, évidemment, il va falloir te former pour pouvoir développer, savoir comment investir, etc. Mais maintenant, il y a énormément sur Internet, tu as tout pour pouvoir te former si jamais tu veux vraiment grandir. Ensuite, tu investis, tu achètes des actifs. Tes actifs vont te créer des revenus. Et boum, tu arrives au début. Ces revenus-là, tu mets 40% de côté, boum, boum, boum. Puis après, ça tourne, ça s'arrête jamais. Après, ça s'arrête jamais. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo où vraiment je reprenais. Oh, c'était une vidéo où je reprenais vraiment les bases. Mais franchement, c'est simple et basique. Là, ça, tu peux pas me dire que c'est compliqué. Juste si jamais tu trouves que c'est basique, bon, en tout cas, mets-le en place. Mets-le en place et tu verras que tu deviendras riche. T'as pas le choix en fait. Si tu commences à faire ça, t'as pas le choix de devenir riche. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettons, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu aimerais développer ton business en ligne. Moi, j'ai une formation où je t'accompagne, elle est offerte, d'accord? Où je te montre exactement comment créer ton business en ligne de A à Z sans avoir d'idée de business et sans avoir de. Sans connaître tout ce qui est la technique au niveau marketing, au niveau internet, sans rien y connaître en fait. D'accord? Donc vraiment en partant de zéro, de quelle formation qui est offerte, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Je pense que je mettrai le lien là et tu pourras accéder à la formation qui est offerte.
Maintenant, si jamais tu as déjà une expertise, tu es coach, consultant, tu as une expertise dans tout ce qui est trading, immobilier, les relations, tu sais comment récupérer son ex, comment tout ce qui est relations en fait, comment trouver la femme de sa vie, etc. Si jamais tu as une expertise dans la santé, d'accord, la santé, donc c'est tout ce que si tu es capable, par exemple, de, je sais pas moi, quelqu'un qui a mal au dos, tu es capable de le soulager, savoir comment faire pour qu'il ait plus mal au dos, etc. Une expertise vraiment qui accompagne des gens, qui leur donne un résultat. Ok, donc si jamais tu fais partie de cette personne-là, de ces personnes-là, là j'ai une masterclass qui est offerte pour toi où je vais te montrer exactement les stratégies qui vont te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois rapidement. D'accord, ça c'est seulement si jamais tu as une expertise. Si tu n'en as pas, je vais pas te mentir, ce sera pas possible. Je ne peux pas multiplier zéro, mais les stratégies fonctionnent pour les personnes qui ont déjà une expertise. Donc tu verras. Si jamais tu es un peu sceptique, il y a les témoignages de mes clients qui ont déjà eu des gros résultats, d'accord. J'oublie maintenant 6 000 en deux semaines, 86 000 en un mois, 10 000 en un mois, ok. Donc, clique sur le lien, c'est offert et tu pourras avoir toutes tes stratégies, les implémenter si jamais tu le veux. Et je sais qu'il y a une partie des personnes qui voudront que je les accompagne à implémenter toutes ces stratégies avec eux, ok. Donc, d'ici là, les gars, on lâche rien et on reste déterminés.